Salut à tous, c'est Jean-Patrick pour les tutoriels du dimanche, une fois tous les 2 ans. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir une haleine fraîche. Hein. Je vais vous expliquer ça. Vous étiez nombreux à regarder la dernière vidéo, comment faire l'amour avec deux femmes en même temps. Énormément de gens. J'ai dû cacher la vidéo parce que j'ai eu des problèmes avec YouTube par rapport aux images. Si vous voulez la vidéo, vous faites un petit pouce et puis je vous l'enverrai discrètement. Alors, aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire une. Avoir une haleine fraîche. Alors, l'haleine fraîche, c'est très simple, il vous suffit d'un coton-tige, d'une brosse à dents, hein, les classiques, je ne mettrai pas de marque, et bien sûr, du dentifrice. Putain, c'est un tube pour les hémorroïdes, ça, mais. Putain! Mais c'est pour ça que j'avais une haleine de merde hier. Mais j'ai le con. C'est pas les hémorroïdes, ça. Bon. Bref, du dentifrice, on va aller assez vite. Vous êtes souvent à vous demander, ah, comment tu fais, Jean-Patrick, pour avoir une haleine aussi fraîche? Comment tu fais pour avoir des dents? Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir des dents aussi propres? Alors. Je vais vous expliquer tout simplement comment faire. Alors, moi, je déteste les vidéos des gens qui sont là et qui parlent longtemps parce qu'en fait, ils n'ont rien à dire. Et dans les tutoriels, ils t'attendent, ils te donnent nous la réponse. Ça me fait chier, on commence à en avoir marre d'attendre. On sait que tu vas nous donner le secret pour avoir une haleine fraîche. Alors, vas-y, dépêche-toi. Ah, bah, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Là, vous êtes là, dis, accélère. Tu peux accélérer si tu veux. Après, tu peux regarder mon tutoriel jusqu'au bout. Alors, le dentifrice, une brosse à dents et puis, bien sûr, d'autres accessoires. Alors, vous prenez le dentifrice et vous mettez. Surtout, ne mettez pas sur le bout là. Ça, c'est pour maintenir la brosse à dents avec souvent des petits crampons comme ça. Ça dépend de la marque. Là, c'est Monoprix, mais faut pas dire la marque. Je ne suis pas sponsorisé pour autant. Je n'ai pas du parental guidance. Alors, vous prenez le dentifrice et vous mettez ici. Voilà. Pas besoin d'en mettre trop. Vous faites ça, vous remplissez et. Vous commencez à brosser les dents. Très bien, hein, on peut accélérer. Bon, j'ai pas les effets techniques de Cyprien ou de tous ces gros youtubeurs. Ouais, non. 1 minute, hein, on rince. Ah, et là, ah putain, mais ouais. Voilà. On rince et voilà. On essuie la bouche et vous avez une haleine fraîche. C'est tout. Ah, coton-tige. Coton-tige, c'est pour nettoyer les oreilles parce que c'est aussi important d'avoir des oreilles propres. Oh putain, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas lavé les oreilles. Allez, n'hésitez pas à follower. C'était Jean-Patrick pour une vidéo. Bisous!